Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo du samedi. Alors dans cette vidéo je pense que je vais aider, enfin du moins j'espère, un grand nombre de personnes. Aujourd'hui je vais donc vous expliquer comment on débloque Epona. Alors effectivement on m'avait beaucoup demandé comment on débloque ci, comment on débloque ça. Epona je crois que c'est la région la plus demandée dans mes commentaires. Enfin voilà, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo parce que j'ai enfin retrouvé tous les petits points par-ci, par-là, comment on débloquait, etc. Et je vais enfin tout vous dire dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant de commencer, je tiens à préciser qu'il faut être Star Rider. Pas obligatoirement Star Rider à vie, mais il faut que vous ayez un abonnement Star Rider pour pouvoir débloquer Epona. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que Epona se débloque entre, on va dire, le niveau 16 et le niveau 18-19. Il y en a qui l'ont très tôt parce qu'ils ont fait les bonnes réputations et qui sont allés vite au niveau des quêtes, et il y en a qui l'ont un peu plus tard. Personnellement, je crois que je l'ai eu vers le niveau 18, voire fin 17, je sais plus trop. Mais voilà, moi c'était plus entre 17-18, mais ça peut très bien arriver que vous l'ayez au niveau 16 ou encore au niveau 19. Premier point à savoir, il faut avoir le rang amical avec la division de Jarlaheim de la GED. Il me semble que pour réussir à atteindre ce palier, il faut tout simplement faire les réputations avec Mademoiselle Drac, mais vous savez, c'est la dame qui est à Jarlaheim, la blonde qui est près de la GED. Deuxième point, il faut avoir fait les quêtes avec les Allemands. En fait, c'est un très très gros point pour débloquer Epona. Tout simplement, vous allez commencer à chercher, je crois, les enfants ou l'enfant d'un couple d'Allemands. Et après, ils vont louer un chalet, etc. On va devoir espionner. Enfin bref, ça va être un petit peu compliqué. Mais une fois qu'ils vous auront remercié pour toute votre aide, eh bien, vous aurez fini les quêtes des Allemands et ce sera carré. Troisième point, il faut avoir débloqué la vallée du dinosaure oublié qui se débloque vers le niveau 15. Donc pas de pression, ça arrivera très vite si vous ne l'avez pas encore débloqué. Quatrième point qui va avec le troisième, en ayant débloqué la vallée du dinosaure oublié, il faut avoir commencé à l'explorer et avoir fait quelques quêtes avec Nick Stonegrand. Cinquième point, il va falloir faire une mission avec Mademoiselle Drac et avec Herman. Et si vous n'avez pas en tête exactement la mission, elle s'appelle « Vous donner les plans ». Donc voilà, après avoir rempli tous ces points, normalement, Herman vous enverra un texto pour vous dire de vite venir à l'écurie de Jorvik. Et là, vous débloquerez Epona. J'espère que je vous ai aidé et que vous allez pouvoir débloquer Epona si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi prochain. Allez, ciao !